Moi, je voudrais m'offrir une grosse voiture, rouge et verte avec des ailes chromées, pour me pavaner dans la nature. Moi, je préfère les marcher. Bonjour Monsieur Fisseux, alors vous êtes le résident de l'association des vieilles coquilles. Tout à fait. Cette année donc c'est le premier bouchon de Joigny. C'est pour la première fois que nous organisons le bouchon de Joigny. Ben oui. Voilà, c'est une reconstitution des années 60 avant que l'autoroute soit faite. Lorsque les vacanciers partaient en vacances et qu'ils traversaient les villes, c'était des gros embouteillages, c'était des gros soucis. Donc on a fait cette reconstitution-là. Jusqu'à ce matin, on avait 120 participants, mais il y a beaucoup de gens qui viennent s'inscrire au fur et à mesure ce matin. Ouais. J'ai des gens qui sont venus déjà de la veille, qui sont venus de Belgique, et puis ce matin j'ai une personne qui vient de Suisse. Donc un peu de partout, quoi. Voilà. La Nièvre, tous les départements de limitrophes, un peu la région parisienne, tout ça, donc ça génère pas mal de monde. Et donc ce sont les voitures avant 65. Les voitures avant 65, avant la création de l'autoroute. Comme tous les ans, c'est pareil, c'est le même cirque à chaque fois. Tous les ans, c'est pareil. On n'est pas pressé. Alors vous l'avez dit de passer par Migennes, vous êtes tout pareil. Ce bon Dieu de Parisiens sont tous aussi têtus. Le pont de Joigny, ça a toujours été le bordel. Monsieur Rouchon, moi, les jours, je fais les Parisiens. Et je suis poli, hein. Tous les ans, c'est la même chose. On n'est pas arrivé, hein. Moi, je vous le dis, hein. Regardez, ça s'arrange pas en plus, hein. Alors, donc, vous participez au bouchon de Joigny. Voilà. Avec quelle voiture, alors? Une 4 chevaux... 4 chevaux pis, si on peut appeler ça, hein, des années 57. Mm-hmm. C'est une 4 chevaux que j'ai acheté il y a une douzaine d'années. Je l'ai sorti de la grange, j'ai refait les freins, l'allumage, je l'ai remis en route et puis je l'ai préparé à toute vitesse pour le bouchon de Joigny, spécialement. Je suis là pour faire la circulation et faire le clown en même temps. Voilà. Donc la police de Joigny, ils étaient heureux de me voir. Là, ils ont tous monté dans la voiture pour prendre des photos et ça les a rajeunis de... je sais plus... Ils ne vous donneront pas de PV. Non, ils n'ont pas la petite boîte. D'accord. Voilà. On va perdre encore une heure aujourd'hui pour arriver au camping. Vous vous rendez pas compte. C'est le bazar à Joigny, c'est toujours pareil. Ben, tu mets la poussette à deux chevaux, toi, là, qui s'attend pour avancer. Dans deux yeux de bordel. Toujours pareil ici. Hein. Alors la Nationale 6, c'est la petite sœur de la Nationale 7. Hein. On ne peut pas étudier l'une ou connaître l'une sans connaître l'autre parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui prenaient la 6 que la 7 à l'époque. Et des bouchons, il y en avait dès qu'il y avait une ville à traverser. Donc vous avez à peu près 60 communes entre Paris et Lyon, autant de bouchons à l'époque. Et Joigny était un gros bouchon parce qu'il fallait traverser le pont sur Lyon et il y avait un carrefour avant. Bon, dès qu'il y avait quelque chose qui cassait le rythme de la circulation, ça créait tout de suite un bouchon. C'était un des gros bouchons de la Nationale 6, je dirais que ce serait oui le troisième en importance. C'est la première fois, monsieur le maire? Oui, c'est la première fois. Oui. Mais alors, je pense, ça dépendra du président, mais sûrement pas la dernière. Parce qu'on a déjà plein d'idées. Non, c'est une belle réussite. Viens, 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 à Juillan-les-Pins, où l'on a peint le soleil sur fond bleu. À Juillan-les-Pins, où l'on a peint. C'est marrant de taper dans ce patrimoine-là, mais c'est un patrimoine. Bah oui, tout à fait. Bah oui. C'est très étonnant, mais c'est vraiment sympa.
c'est toujours un succès parce que ça rappelle beaucoup de souvenirs aux gens. Et puis c'est quand même une grande fête populaire. Puis l'avantage de la nostalgie, c'est que les mauvais souvenirs en deviennent des bons, quoi. Donc les bouchons contre lesquels on râlait, ben maintenant on s'amuse à les réinventer, à les refaire. Après les vacances, ni la romance. Viens, 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 à Juillan-les-Pins. On est si bien dans l'ombre. Est-ce qu'il y avait beaucoup de dépannage pendant les vacances? Ah ben, c'est-à-dire que les voitures étaient beaucoup moins fiables qu'aujourd'hui. Et puis bon, ben, les gens, ils avaient leurs vacances, ils sortaient de Paris, la voiture n'avait pas tourné pendant un an, ils se lançaient à fond sur la route. Donc ici, à Joigny, on était entre 100 et 200 km de Paris. C'est là où l'hécatombe commençait. Et je peux vous dire que les garagistes, dans les années 50-60, vivaient bien. Ils faisaient leurs affaires. Oui, tout à d'accord. fait. C'est fantastique ces autos. Ça, c'est une goélette Renault de 1958 qui a été équipée en ambulance. Je l'ai fait repeindre aux couleurs d'un garage assez emblématique sur la Nationale 6, qui était le garage du Bel Air, la Rochepot, la côte de la Rochepot. C'était un point difficile. C'est là où on passe du Morvan à la vallée de la Saône. Et donc l'hiver, c'est un endroit où souvent les voitures étaient bloquées ou en panne. Et donc on trouvait toujours des véhicules de dépannage. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce camion soit aux couleurs du garage du Bel Air. Le temps des tacos. Ça va en vacances, le chien. Il est des années 60. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse. J'ai écrit un livre qui s'appelle « C'était la Nationale 7 et la Nationale 6 » sur l'histoire de la route de Paris à la Côte d'Azur à la grande époque. Souvenir, souvenir. Je travaille pour l'édition, je fais des bandes dessinées, pour la presse automobile en général, beaucoup de voitures anciennes. Il paraît que ce serait vous qui aurez fait l'affiche. Oui, c'est moi qui ai dessiné l'affiche de la manifestation, justement en mettant beaucoup de voitures bien embouteillées. Il nous reste nos chansons.